Et précieux de Delhi, un coin sacré pour l'islam soufi indo-pakistanais, le tombeau de Nizamuddin, aussi appelé Nizamuddin Dargah. Derrière moi, c'est pas exactement le tombeau de Nizamuddin, mais bien de son disciple, Amir Khusraw. Amir Khusraw et Nizamuddin sont connus et célébrés pour leur prêche d'amour, le respect de l'individu, une prêche qui invitait les gens à aller au-delà des sectes, au-delà des castes, et au-delà de la politique. Et aussi et surtout peut-être, Amir Khusraw est connu pour avoir marié la musique indo-pakistanaise et avoir formé ce qu'on appelle le chant Qawwali, un chant incantatoire, en fait souvent mélangé avec le dhikir. Dhikir qui signifie la récitation des noms de Dieu. Donc, ça vous donne une idée, le Qawwali est un chant religieux qui appelle vers Dieu. Vous allez voir d'une façon très mouvementée. الناس من شر الوسواس الخناس.